يعني من جروب آخر ما نجمش نحضرها. مرحبا بيك. من جروب آن وي مرحبا بيك. دكا Tu peux assister sans aucun problème. Mais, allez, essayez de me suivre, s'il vous plaît. Donc, monsieur بليز سامحني عندي جوج سؤال برك. تفضل. البارح عوضت الخدمة يعني اللي خدمناها البارح وي. كل شيء جي سافا، أما أنا غلطت في عوض نحط يعني نربطه بالجي دي كا كاز ربطته بالجي دي كا وي، كيفاش بعد نجم نبدلو؟ ساهل برشا برشا هنايا، هو ما يتربطش بالجي دي كاويت. انت جافا فيرجن اللي هنا شنو كتبتها في البوم؟ او نيفو دو بوم كاس بي اي كري كوم فيرسيون دو جافا دو جافا. الثقة بك بيه لي زوتر كلاس معناها دونك تيم دونك جوست سي بون سي بون فوالا دونك جوست نون نيل دونك سي نيم دونك اسكو زافي جينيري دي كونستركتور ان كونستركتور كونتينون تو لي بارامتر سوف الكود ولا الاي دي دون لي زوتر كلاس pour Stadium. Donc pour Stadium, pour Stadium juste si je mets donc la capacité non nulle, non nulle. En fait, qu'est-ce que je dois éliminer à votre avis? Si je mets la capacité non nulle. Alors je vous montre la classe. Déjà car هو ظهر لي معناها شو المشكل. Required Argus Constructor. Donc, Required Argus Constructor, c'est un constructeur qui a combien de paramètres? Deux paramètres, name et capacity. C'est vrai ou non? Puisqu'ils sont non nuls. Donc, c'est un constructeur à deux paramètres, name and capacity. C'est vrai ou non? Oui. Okay. Et ce constructeur générique, il a combien de paramètres lui aussi? Deux paramètres. Donc, ça va être quoi? Duplication de constructeur. Vous voyez les choses ou non? Voilà, si tous les champs sont required, c'est pas la peine de générer un constructeur. Je peux tout simplement laisser cette donc annotation. Vous voyez, constructeur with two parameters is already defined. Vous voyez l'erreur, oui ou non? Voilà, donc il suffit d'éliminer ce constructeur là. Donc, si vous avez mis comme votre camarade tous les champs donc non nuls. C'est pas la peine de mettre un constructeur, donc ce constructeur suffit. Required constructor, donc ça, il va me générer donc, un constructeur, sauf la valeur de l'ID, donc ça va être name et capacity. Bien. Donc, et au niveau de competition, donc j'ai dit donc tous les champs sont non nuls, sauf start date and end date. Car je peux préciser donc start date and end date d'une compétition un peu plus tard. Monsieur Stadium, ma fiches private string city. مش عارف عملنا فيها سيتي احنا مع بعضنا. Stadium عملنا فيها. باه. Private string city. City. Donc نزيدوها هي بدها نون نول. Ok, on n'aura pas besoin de générer un autre constructeur. C'est clair? Okay. Est-ce que vous y êtes? Oui, monsieur. C'est très bien. Donc, on va essayer de d'exécuter notre commande au niveau du terminal. Donc, vous pouvez aller donc au niveau du terminal et saisir cette commande-là, mvn spring mines 2. Donc run. Donc, le MVN Spring 2.run, ça peut être donc au niveau de Windows pour quelques versions Windows. Ça peut être MVN W. Voilà. Donc, la commande JV, la partager avec vous, donc, fait chat. Essayez d'exécuter cette commande-là. Donc, on a dit, donc, cette commande va faire tout le process, y compris quoi? La compilation pour vérifier des erreurs. Si vous avez des erreurs, il va vous rendre la main pour corriger les erreurs. Sinon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va
générer donc le point jar, puisqu'on a spécifié donc compacting donc le point jar, il va créer donc un dossier target. Il va donc effectuer, si j'ai déjà spécifié, vous allez remarquer ici donc l'apparition de ce dossier target donc en orangé. Donc si par exemple j'ai spécifié des tests VI, donc par exemple JUnit 5, voilà, etc., il va exécuter ces tests là et il va déployer l'application donc sur le serveur Apache Tomcat, puisqu'on a dit donc que Spring Boot il intègre Apache Tomcat. On a ajouté donc la librairie, si vous vous rappelez de ça, la dépendance Spring Web, et on a vu donc qu'il intègre un serveur Apache Tomcat. Donc vous voyez donc Tomcat started en port, en principe en port 80-80. Par défaut c'est le port 80-80. Mais si vous avez un conflit de port, vous pouvez changer donc ce port là via donc ce fichier application.properties en spécifiant serve.port égal, et vous modifiez la valeur, vous donnez donc un numéro de port libre. C'est clair? Ouais. Vous voyez donc ici, donc il m'a rendu donc le curseur qui est en train de clignoter. Il m'a dit start nom de l'application in tel nombre de secondes. Voilà, donc mon application est déjà déployée sur le serveur et elle est à l'écoute sur le port 95-92. Est-ce que vous avez tous obtenu ce résultat-là? Oui, monsieur. Y a-t-il quelqu'un qui a obtenu un conflit de port? Monsieur. Voilà, donc ceux qui ont obtenu un conflit de port, il suffit d'aller donc au niveau de ressources et au niveau du fichier application.properties et d'inscrire server.port égale un numéro de port. C'est clair? Monsieur, qui fait chenar le numéro de port, les minhot? على الويندوز ما عنديش فكرة حط مجرب حط مثلا هذا في العادة 95-92 معناها اون برانسيب ما هوش اوكي بي مستير في الكام تاعك انت ما عندكش مشكلة خاطر بطبيعته توم كاتب دي على يمشي على الفور هذيك اي نعرف على الكاتربان لا لا انا هاو معناها انا جي موديفي لا فالور دو بور بور فو مونتري ولكن دونك اون برانسيب جي با دو بروبليم دونك دون لو بور 80 معناها جو بي لو سي لو بور بار ديفو مي انا جوست بور فو مونتري سا دونك معناها جي موديفي البور سي كلير مشو مساج تورينا لي زيتاب مال اخر لي زيتاب دو كوا دو موديفيكاسيون دو بور لي مشو لي كونفرساسيون انت كونفرتيت على الباز دوني لي سيرفر ولا معنى les étapes d'accès à la base de données. Aïe. Aïe, on va le faire, demoiselle. Donc, juste, est-ce que tu es arrivé à cette étape-là? Monsieur Khalid, tu le fichier n'a pas fait, je n'ai pas fait le code. Tu as le code? Je n'ai pas fait le code. Donc, votre camarade, il a envoyé les classes. Tu peux faire, معناها décopier tout. Il a envoyé votre camarade les classes au niveau du chat. لا عندي الكلاس نحكي على application properties اي ما هذا زيدها انت server.port انت تزيدها باهي server.port ايغال است كو ان كونفلي دو بور كونفلي دو بور معناها فوزوري ان ايرور سي il va vous dire donc que le port est déjà in use معناها البور 80 il est déjà utilisé par une autre application. Est-ce qu'il vous a affiché ce message-là? Pas mal, monsieur. Est-ce que tu as exécuté la commande MVN Spring Boot de point run? La commande que j'ai envoyée dans le chat. Cette commande-là, est-ce que tu l'as exécutée? Exactement, monsieur. Dès que vous avez dit, vous avez dit, ah, ben, c'est l'exécution de la commande. Hein, ben, oui. Monsieur, la commande est dit comme MVN m'a affiché. J'arrive MVN W. Essaye avec MVNW. Monsieur, pardon, mais de le port n'aout, on a la commande. Oui, bien sûr. Monsieur, Kali Java Home not found. Ah, tu n'as pas configuré Java Home ou le Maveno. Voilà, tu as mal configuré Java Home ou le Maveno. Ah, essaye de me partager très vite donc ton écran. Hein. Ben.
Faut l'écran, t'as ouais. Pas encore. Ou t'as ouais, monsieur. En cours. Oui. Allez, montre-nous le code. Monsieur. Ouais, donc voilà, tu as un problème au niveau du Java Home. Au niveau de la configuration de variables d'environnement. Au niveau de la zone oui. de recherche. Non, au niveau de la zone de recherche de Windows. Tu appuies ici pour chercher. Tu tapes paramètres avancés. Voilà. C'est pas ça. Et voilà, paramètres système avancé, oui. Variable d'environnement juste en bas. Est-ce que tu as au niveau de variable système Java Home? Tu as Maven Home, mais est-ce que tu as Java Home? Oui, monsieur, variable système. Variable système en bas, tu as variable utilisateur et variable système. Au niveau de variable système. D'accord, on y va, je mets. Est-ce qu'il y a du Java Home? Non. Donc tu ajoutes Java Home. Tiribar. Majuscule, ou pas, mais il y a un mot. Mais je pense que là, quand tu écris, parcourir le répertoire. Et tu essaies de trouver au niveau de ces deux points, ce PC, ces deux points, programmes. Voilà, programme file. Programmes. Et Java, tu cherches un dossier qui s'appelle Java. Tu as un dossier qui s'appelle Java, voilà. Et tu choisis JDK 15.01. C'est bon, OK. OK. Tu ailles au niveau d'une variable. Non, pas encore. Variable d'environnement. Et tu cherches la variable path. Double-clique sur path. Est-ce que tu as ajouté au niveau de cette variable path, tu as ajouté Maven Home, mais tu n'as pas ajouté Java Home. Tu dois faire la même chose, nouveau, pour son Java-bar home, pour son anti-slash bin, anti-slash algr tout de suite. Ok, monsieur. Oui, ok. Tu lances un CMD, un vite commande au niveau tapé ici, un vite commande. Tu tapes Java espace moins version. Espace non, monsieur. Moins, minus version. Version. 1.0.1. C'est bon. Tu tapes MVN espace moins version. Vous avez kiff. C'est bon. Tu refais la commande au niveau de ton terminal. Tu peux retourner avec la flèche montante. Ouais. Essaye de fermer ton éditeur et tu le redémarres. Essaye de réinscrire la... C'est bon, monsieur. C'est bon, hein? OK. Merci. Désolé qu'on regarde comment... Allez, message. Donc... Vous y êtes, est-ce que tous les étudiants ont arrivé à exécuter leur programme? Oui, monsieur. Qui encore a un problème?
مسيو انا بعد ما بدلت البور وعاودت عملت نفس الكوموند ما تبلانت ما عادش حاب يزيد. ما هو هيك جيك ديموزير اقرا اخر لين لدرنيير ليني اسكو تي ا ستارتد نون دو لابليكاسيون انتل نمبر دو سكوند. لا بارتاج تون ايكرون تري فيت. وي سي بون هاكا مشي امورك واضحه يا دي مثلا المفروض هكا عندك توم كات ستارتد اون بور كذا دونك سي بون ميرسي مشي فوالا اون برانسيب سي بون دونك به اي اسيي سيل فو بلي دو مي سويفر اي اون فا اسيي دو فوار دونك اون برانسيب كيسكو نو افون ديموندي دونك ا نوتر دونك سي فو فولي او ار ام ولا نوتر ابليكاسيون دونك كيسكو نو افون ديموندي نو افون سبيسيفي دي موديل نو افون Donc, annoter ces modèles via Ishnoa, les annotations Aerobasque Entity, Aerobasque ID, Aerobasque Entity. Oui. Aerobasque Entity pour dire donc au compilateur ou bien à l'ORM de mapper donc cette classe-là et la transformer en quoi? En une table. Au niveau de ma base de données H2, puisqu'on n'a pas encore configuré donc une connexion à la base de données, donc nous sommes en train d'utiliser une base de données in memory. C'est clair? Oui. En principe, si je vais aller à ma base, je vais trouver combien de tables? 4 tables. Donc, je vais trouver 4 tables. Donc, on va essayer de voir est-ce qu'on va trouver donc ces 4 tables. Pour faire ceci, il suffit d'aller donc au niveau du terminal et vous tapez CTRL F. CTRL F. Et vous tapez H2. Ou bien vous cherchez une ligne qu'on va. Vous cherchez la ligne. Voilà, donc en tapant donc H2, vous allez obtenir donc. Juste un instant. Voilà, donc tapez Entry. Pour arriver à cette ligne-là, donc H2 console available at slash H2 console database available at, et il m'a donné quoi? L'URL du database. L'URL du database. Puisqu'on a dit que H2 est in memory, qu'est-ce que ça veut dire? Au moment de l'exécution, il va, si vous voulez, donc vous générer une URL de la base. Donc, essayez de copier cette URL. Est-ce que vous avez trouvé cette ligne-là? Oui. Oui, monsieur. Donc, copier, oui. Surtout ne pas faire CTRL C avec le bouton droit ou bien ici, sous l'Unix, c'est CTRL SHIFT C. Copie. CTRL C, elle permet d'arrêter le serveur. Elle permet d'arrêter le serveur. Donc, copier cette URL et on va aller à un autre navigateur. Lancez vos navigateurs. C'est bon? Est-ce que vous y êtes? Oui, on met tout en bas. Il a juste le navigateur interne, il est en cours de chargement. Voilà, donc en allant à votre navigateur, tapez donc l'adresse localhost, localhost. Donc, 2 points, le port de votre application. Donc, par exemple, dans ma situation, le port c'est 9592 et slash h2-console. Donc, pour accéder quoi? À la console de gestion de la base de données H2, c'est l'équivalent de quoi? En quelque sorte, donc c'est un peu proche, c'est pas un peu proche de SSMS qu'on a fait l'année dernière donc, avec SQL Server. Donc, c'est clair? Est-ce que vous y êtes? Oui, monsieur. En tapant donc cette adresse, vous allez obtenir donc cette forme
qui permet de se connecter à notre base de données. Donc, JDBC URL, et vous tapez l'URL de la base. Donc, vous collez l'URL de la base. Juste, j'ai des apostrophes. Essayez, s'il vous plaît, de voir si vous avez des espaces. Il n'y a pas d'espace dans cette URL. Si vous avez des espaces, essayez de le supprimer. Ou bien, si vous avez apostrophe, ou bien... Monsieur? Il n'y a... Oui. Monsieur Enaïkali, localhost a refusé la connexion. خاطرك عملت كنترول سي سوري ساتان ديموزيل اوني بو بالعكس مشيت تعاودت ليكزيكوسيون باش خاطر المره الاولى عملت كنترول سي باي بارتاج مو تو ليكرو ان مسيو باز دو دوني ذيا تتفسخ كي Bien sûr, oui, oui. Ah, mais le contrôle C, maintenant, tu peux faire, donc, pour tester, tu peux arrêter le... Bon, oui, tu peux arrêter le serveur, contrôle C, au niveau du terminal de l'éditeur. Et puis, actualiser, tu ne vas rien trouver. C'est clair? Ben, warini, demoiselle. Hey, lorsque tu lances de nouveau l'exécution, tu dois recopier l'adresse. Tu as recopié l'adresse. Est-ce que tu m'entends? Ya Abir. Monsieur, quand tu as fait une copie, mais pas le contrôle C. Là, ben, C'est bon, tu as copié l'adresse, maintenant, c'est la bonne adresse. Ben, tu me montres le navigateur, hein? Oui, qu'est-ce que tu as tapé au niveau du navigateur? Donc, localhost. C'est ça le port, tu as changé de port? اي مش تبعتك هاو وي هاو sur le port est-ce que tu peux descendre un peu donc en bas dans le terminal لا وجع على توم 4 مسيو اي كما تحب لا جست اون با تو يكتب لك هو معناها جست اون با في الاخر بالكل تلقى عندك ديسكسبسيون او عندك ديزيرور ما صرتلكش ليكزيكسيون انت عندك ديزيرور جديني في الاخر معناها كمل اه الاكسبسيون هذه اللي عندك شنو مال الاكسبسيون لا هنا ما صراتلكش الاكسبسيون عندك ايرور بيل سكسس هذه لا مش بيل سكسس هذاك علاش ما معناها ان با اريفي به اي تبعني يا عبير خلينا نشوف شنو الغلط باهي دونك هبط شويه في الترمينال هبط شويه في الترمينال في الاخر بالكل هبط الاخر بالكل ومن بعد طالعين بشويه بشويه في الاخر بالكل ولا به اطلع شويه بشويه بشويه جو في سي دو فوار شنو هو الرور اللي عندك باي دونك فوالا واحده واحده تطلع اي زيد اطلع شويه في التيم لحظه برك هاي عندك المشكله هنا اذا في التيم شنو هو المشكله في التيم دونك بالله اعمل ماسكي لك البتيت ايكون هذيك فوالا سي تري بيان دونك نو ايدنتيفي فوالا امشي للتيم ديموزيلي امشي للتيم موديل تيم موديل تيم مسيو انا كيفاش عرفت مسيو قبل في التيم تيم فوالا دونك شنو عندك لهنا في التيم تو نابا سبيسيفي الاي دي ايروباسك اي دي نخصاتك مش قلنا راهو معناها Nous sommes en train de manipuler des bases de données relationnelles. Une base de données relationnelle doit avoir quoi? Nécessairement une clé primaire. Voilà. Donc, essaye de voir les autres. Essaye de vérifier Stadium, par exemple. Est-ce que tu as ajouté au niveau de Stadium ID? ID Alt-Enter, Yabir. Alt-Enter sur ID. Tu cliques sur ID et tu fais Alt-Enter. Alt Enter. Et عملت monsieur. Oui, c'est bon. Importe classe, hein. Importe classe, c'est bon. Alt Enter, importe classe. Java X, bon, oui. C'est bon. Mais essaye de vérifier pour les autres. Donc, c'est bon. Pour Player, par exemple. Player. C'est bon.
C'est bon. When he play, donc ID, oui. Pour competition. Ouais. C'est bon. C'est bon. Tu retournes au niveau du team, Abid. En principe, ben, essaie de copier ce que tu as fait sur le player. Donc, au niveau du player, au niveau du player, on va copier, coller. Voilà, les trois lignes, voilà, c'est très bien. Tu les copies au niveau du team. Entrée. Et tu essaies de réexécuter la commande MVN Spring Boot au niveau du terminal. Hein? Tu peux retourner avec la flèche montante, hein? Les flèches de navigation, les quatre flèches. La flèche montante peut te régénérer la commande. Oh, d'accord. مسيو كيفاش نعرف تاو كي تجيني ايرور وهو في الاخر يقول لي البيلد صار سكسيسفول لا هذيك هو ما يجيكش بيلد سكسيسفول يلزم معناها باش يصير معناها معناها الام في ان الفي تو البروسيس بور افوار دونك اون بون اكزيكسيون il doit déployer l'application au niveau de quoi au niveau du serveur il doit vous rendre donc la main et tu dois voir donc le curseur en train de clignoter pour voir, donc voilà, l'application, elle est déjà... Il va vous dire donc que l'application started at tel nombre de secondes. Si tu obtiens donc ce genre de message, c'est bon. Sinon, donc, il y a des erreurs. L'erreur, tu dois suivre donc les erreurs et tu essaies de lire qu'est-ce qu'il a spécifié comme erreur. Voilà, c'est bon. Comme par exemple, qu'est-ce qu'il vous a dit? Started birth server application in the number de secondes. Il va rendu donc le curseur, il est en train de clignoter. C'est bon. Et Tomcat started on port 95-92. Donc voilà, c'est bon. Juste tu cherches H2 et tu copies l'URL. Et tu ailles sur le navigateur et tout ira bien. Oui, essaye d'aller sur ton navigateur. Voilà, c'est très bien. C'est bon, monsieur, merci. Donc, essaye de copier au niveau du JDBC URL l'adresse de l'URL. L'URL, c'est très bien. Est-ce qu'il y a des espaces? Je crois non. Donc, connect. C'est très bien, et tu vas voir, merci. Donc voilà, les tables, les quatre tables sont déjà créées. Voilà, c'est très bien. Donc, je vous montre aussi donc, ceci et puis on passe à autre chose. Hein. Donc, en testant la connexion, voilà, donc, successful. Est-ce que vous êtes en train de voir mon navigateur? Oui. Et en se connectant, voilà, je vois les différentes tables avec les différentes colonnes que j'ai déjà spécifiées avec les attributs et avec les annotations. C'est clair? C'est clair? Oui. Votre camarade donc vient de le dire. Est-ce que je peux, maintenant, cette base de données persiste? Oui ou non? En fait, cette base de données ne persiste pas. Il suffit de faire quoi? Donc, il suffit de faire un contrôle C, par exemple, ici. Un contrôle C. J'arrête donc mon application, mon serveur, shutdown, donc completed. Et il suffit de faire actualiser. Je ne vois plus rien. Est-ce que vous voyez les choses ou non? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. C'est très clair. Et même si je vais réexécuter de nouveau donc, mon application, voilà, si je vais réexécuter de nouveau mon application et je vais actualiser, je ne vois plus rien. Monsieur? Oui.
مش ما فهمش هاشتو انا كنت في هاشتو مع باش نشرحها في الكود اللي خرج لي بعد الكوموند ما نلقاهاش هاتو نجي كده مثلا لحظه بس وصلنا الصوت باهي دونك سي جو في رياكتوريزي اللي هنايا دونك مون كود دونك فوالا اي جو في ايسي دو مي كونكتي على باز دوني كي جي ديجا دونك فوالا جي ديجا كوبي لو ار ال هكا ولا لا اي جي في انا كونكت test connection. Vous voyez? Donc, not found. Cette adresse, not found. Car à chaque fois, pour chaque exécution, qu'est-ce qu'il fait? Il génère une instance de cette base de données H2. Donc, la base de données H2, elle est une base de données in memory. C'est clair? Oui, monsieur. À chaque fois... Je n'ai pas un mot de passe lors de la création. Qui fait? Je n'ai pas un mot de passe. Ça, tu peux le configurer au niveau de application properties. Au niveau de application properties, tu peux configurer si tu veux donner un mot de passe ou bien donc autre chose, tu peux le faire. On va le faire avec PostgreSQL. Et ça serait pareil pour les autres databases. C'est clair? Oui. Mais donc oui, qui a un problème aussi, donc essaie de partager ton écran vite. Ouais. Ben, pour les autres, essayez de faire donc, l'étape suivante qu'on va faire. En fait, ces tables ne sont pas des tables, donc, si vous voulez, indépendantes. Ce sont des tables donc, telles qu'il y a donc, des liens entre ces tables-là. Donc, des liens étoile-étoile, 1-étoile, 1-1. Ici, si vous avez vu ça, donc, de faire donc, la spécification de ces liens-là. Donc, on va faire ces liens-là ensemble. Aïe, demoiselle, hein? Dans les prochaines séances, en principe, nous allons voir donc ensemble un exemple SOAP. On a un exemple SOAP juste à titre d'indication. Et donc, peut-être, nous ferons donc des exemples Quarkus. Peut-être, donc, nous ferons des exemples Quarkus, puisque malheureusement, donc, G2E, ils font exactement donc, la même chose que nous sommes en train presque, je ne sais pas, est-ce qu'ils sont en fait, ils sont en train de faire exactement la même chose, voilà, il y a des différences, mais je ne sais pas. Essayez de me montrer ton code, demoiselle. Je vais partager, je vais partager. Je vais juste cliquer sur l'éditeur. C'est très bien, donc au niveau de l'éditeur, tu cherches H2. Juste, il me montre. Juste, il me montre l'exécution. Abattez l'écran, je vais voir ce qu'il y a. C'est bon. Donc, on va voir. H2, il y a un entry. Donc, il y a un entry. Je vais voir ce qu'il y a. Ah, il y a un H2. Donc, using the. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Le terminal. Essaye d'augmenter la taille du terminal. Voilà. Donc. B. Ah, tu vois, il y a l'autre, là. Tu essaies de descendre un peu. B. Tu me montres pom.xml, demoiselle. Est-ce que tu as ajouté au niveau de pom.xml H2? Mais je manuellement. لا مش مانيوال مو هبط شويه التيرمينال صغر شويه التاين تاع التيرمينال صغر التاين تاع التيرمينال وكاو اي ظهر لي بون بون اكس ام ال في الاخر بالكل تلقى بون بون اكس ام ال فوالا دونك تي مي مونتر لي ديبندنسز ديبندنسز فوالا دونك اكتويتر اش دو داتابيس اون برانسيب تو اش دو داتابيس بي بصير تلاح ديك نفس المشكلة يمشي يجاوب به ما فهمش شو فما معناها في الديبندنسيز الباز دوني اش دو وي الفيلي هذيا هاو اللي ندير لي مش عارف الشات درتهم في الفيشي فوا بروبرتي دخلت شات اش راح تبدا انيبل كذا اي وي وي مي اون برانسيب اون با بزوان دو فير سا باهي مش مشكلة تو يبعث لك بوتا كامادو ولا انا بعث لك انا اللي كيف كيف اي تكتبها في الابلكيشن بوان بروبرتيز بور دونك معناها باش يولي الهاش 2 عندك انت انيبل تو سامبلومون دونك بتاتر لا فيرسيون سيلون لا فيرسيون مي ياك احنا ما كتبناهاش وسامارس دونك وي دونك انيبل
بعثت لها في الشات ال بعثها هي دونك جوست ايساي دو كوبي كوبي ولا سبرينغ اي فوالا سي اكزاكتومون سا ايجالا ترو ايجالا ترو زيدها ايجالا ترو سي بون اي تي ايساي دو اوت اوت تيرمينال كنترول سي كنترول سي دونك او نيفو دو تيرمينال مشيت فما شكون بار ديفو تبدا عنده ترو فما شكون لازم يحط ايجال ترو وي دونك بتات سي سيلون لا فيرسيون او بيان هكا اون با في دونك دو سبرينغ اتش 2 كونسول بوين انيبل دونك كوران ديريك دونك نوز افون بي دونك اكزيكوتي وي تو ايساي دو فير ان اونتري مره اخرى ديموزيل فوالا سي تري بيان دونك تو كوبي لي ار ال اي تو ري في لي ايتاب جوست تي دو فير اتونسيون جو كرو ايل فا تو ميتر ان اسباس ابري جي Donc juste tu dois faire attention à ça. Monsieur Mehmet Halliche. Là heavy hash hash moins 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 mais hash point moins voilà. Merci monsieur. Donc double clic à la URL etc. Donc voilà donc passons à autre chose. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a un problème? Monsieur MVN j'imagine n'est pas reconnu. MVN n'est pas reconnu. Tu as ici avec MVN W. Partage ton écran. Attends, Java moins version, ça, demoiselle. Java. Monver. Bien. 1.8, allez, 1.8. Monsieur, 1.15, ma habitus. Qui fait ma habitus? Tu as un Windows 10, allez, ma habitus. Alors, vous pouvez installer plusieurs versions et vous pouvez faire le switch entre les versions. Hein? Alors, je vais vous envoyer donc un lien. Comment vous pouvez faire le switch entre les différentes versions si vous avez plusieurs versions sur Windows? Hein? Sur Linux, c'est beaucoup plus simple. Mais sur Windows, donc, je me rappelle que j'ai déjà envoyé ça hier. Voilà, sur ce lien-là. Monsieur, il y a une badale à 1.15. En principe, tu as un game. Non, mais attends, je vais vous juste maintenant, je vais partager avec vous un lien. Donc, en cas où vous voulez, donc, en cas où vous voulez installer plusieurs versions de Java, donc voilà, c'est ce lien-là. Donc, en cas où vous pouvez, vous voulez installer donc plusieurs versions de Java, il suffit de créer des alias, et puis donc, c'est très simple de switcher. Donc, je vais vous donner un lien. Chat. Bien. Donc, essaye de, demoiselle, de me montrer tout ce qui est Advanced System, la configuration avancée du système, voilà, les paramètres avancés du système. Autre panneau de configuration, demoiselle. Un cas mahlou, là, mais l'autre. Bien. Les variables oui système اخر واحده لحظه برك عندك هنايا شو مش عارف في سيستم المفروض عاود بالله سيستم سيكوريتي شو هيك محلوله من اللوطه مش محلوله عندك واحده في كوماند البلانت اللي جاي وي هذه هي فوالا فاريبل دونفيرونمون دي موزالي دونك جافا هوم اون با شنو عندكم جافا هوم Donc, c'est pas la peine de le faire pour le variable utilisateur. Demoiselle, je suis variable utilisateur, il supprime Java Home ou Maven Home.
au niveau de variable d'utilisateur, voilà, tu supprimes cette ligne là, supprimer, et tu supprimes au niveau de ma banon, tu supprimes, c'est kif kif. Ben, tu as au niveau de variable système, voilà, tu as spécifié Java Home, c'est bon, ou tu as spécifié Maven Home. Maven Home, c'est bon. L'M2, il dit que ça a supprimé l'M2. Ben, tu as au niveau de la variable path, au niveau de la variable path. Double-clic. اش بيك عندك الباث خير بلي انولي انت زدت الفاريبل باث هذه دي موزيل اي مونسيو لا سوبريمي هذيك اللي زدتها انت سوبريمي ثم ينوتر فاريبل باث يعطيها لك هو بار ديفو ان شاء الله ما تكون سوبريميتها برك نو تو لا سوبريمي وي مونسيو انا لي فاريبل دونفيرونمون تاعك الكل نحيتهم به زيد ان نوفيل فاريبل اي باث منسكول اعمل بي ماجسكول والبقيه منسكول باث لا حط معناها يلزمنا يلزمك تزيدهم وحدك مانويل مو كان يعطيك هو انترفاس مخير به دونك شنو تكتب فيها هذه ديموزيل اكتب بورسون جافا هوم بورسون اون سلاش بين اون ماجسكول كيما كتبتها انت كتبتها ماجسكول جوكر وريت Pourcent anti slash bin. Pourcent anti slash. Le bin minuscule. Oui. Anti slash algier tout suite. Anti slash. Le anti slash, mais c'est quelque chose slash, est-ce pas? Avant le bin, c'est algier tout suite. بعد البين point virgule. Non, pourcent, al, pourcent, pourcent, عمل pourcent, ça va de l'homme. Ben, Algier, la touche 8 en haut, Algier, ça me touche 8, tu vas être manier le faux. C'est bon, c'est très bien. Bad le point virgule, après la point virgule, tu tapes pourcent, Maven, tiri bar home. كما عملتها المافين عملتها ماجسكيول انت راك فورسون اونت سلاش بين جرب حط اوكي جرب مره اخرى اوكي مش نحيتها الفاريبل هذيك باث مش عارف عليه باي جربها يمشينا للسي ام دي تولو لونس سي ام دي سكر سي ام دي وعاود حلها هاي تي سي دو تابي جافا موان فيرج جرب تابي مافين ام في ان موان فيرج سي بون ارجع للانتليج دي موزيل ايديتور اي تو ايسي ديكرير دونك ام في ان باهي تسكره ليديتور وعاود لونسي هاي تو فيرم ليديتور اي تو لونس دو نوفو ارجع بالفلاش عندك لي 4 فلاش هذاكم معناها سي تري بيان اوكي اون برانسيب سي بون اصبر شويه خلينا نشوفها خدمت ولا لا وي سي بون فوالا سي تري بيان اي اون باس اوتر شوز دونك
Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a un problème? C'est bon. Ah, essayez de me suivre. Monsieur? Oui. Monsieur, vous voyez que je fais un contrôle, c'est l'autre, je vais le commander. Je vais le faire. هو باش يعطيني معناتها الليان اخر الهاج 2 يعطيك الليان الاخرى وي سي اكزاكتومون سا الاخرى علاش ما كونكتيليش علاش ما يكونكتيليكش اي يقول لي داتا بيز نوت فا كيف انا نحط الاي ار ال الجديد تبا انت السيناها مره باهي بارتاجي موتوني كونت اكيد راك غلطت في الاي ار ال كلكو بار اي بارتاجي الليكرون في ساعي مش هذه الاخر انا اي وين اللي وين اعمل لي كوبي يقول لي خرا نحل سباس ولا انا امورها والله كنت فاهم ضيع عندنا الوقت يا ايه ما يسال شيء اوكي دونك اون باس ا اوتر شوز اي اي اون دو افونسي اون دو افونسي فوزييت وي 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 اسيي دي مي سويفر سلو بلي دونك جي فوزي ديجا انفوي دونك le diagramme entity association donc où est-il voilà donc le diagramme entity association et on a vu par exemple que la relation entre team et competition c'est une relation étoile étoile la relation entre team et stadium c'est 1-1 et la relation entre team et player c'est 1 étoile pour dire qu'un player peut jouer pour un seul team et un team donc par exemple donc à plusieurs players. C'est clair oui ou non? Oui, monsieur. On va essayer de spécifier ces relations. N'oubliez pas qu'on a déjà opté pour une stratégie code first. Code first. Donc, on ne va pas utiliser des requêtes SQL pour créer notre base de données, y compris les relations entre les bases de données. Par exemple, si nous voulons donc faire ceci en SQL, comment nous devons faire? Create player, par exemple, et on doit spécifier quoi? Donc, create table player, code de type, par exemple, number, virgule, name, de type tel, etc. C'est bien ou non? Primary key. C'est oui. Très bien. Et on peut utiliser donc une constraint, madame, PK, donc code primary key, ou bien sur le code, si le primary key est composé, donc il faut le mettre entre parenthèses et les différentes colonnes de primary key séparées par virgule. Et qu'est-ce qu'on doit ajouter? Vous voyez, un player, il joue pour un seul team. Donc, qu'est-ce que nous devons ajouter? Nous devons ajouter une colonne qui est, par exemple, ID du team, ou bien team, player team, player team. Donc, ça va être quoi ce player team? Ça va être as for rank key. Donc, on doit ajouter une constraint. Donc, constraint, par exemple, FK, par exemple, le nom, donc, player team, et ça serait quoi? References team, et entre parenthèses, l'ID du team. C'est clair, oui ou non? Oui, monsieur. Ceci, si on voulait faire les choses via SQL, mais on veut faire les choses via chinois, via Java, alors, donc, donc, la bibliothèque, la dependency, donc GPA, me donne quoi? Me donne un ensemble des annotations qui vont m'aider à faire ceci. Par exemple, donc, pour faire le 1, le 1 étoile, ça va être si aerobasque. 1, too many, ou bien chinois. Car, donc, au niveau de 1, too many, je peux lire... toutes les liaisons, je peux le lire dans deux sens. Dans deux sens. Many to many. Donc, competition a many teams. Et plusieurs teams peuvent, si vous voulez, participer dans plusieurs compétitions. Donc, il y a deux sens. Ici, kif kif. Donc, chaque team a son stadium.
et chaque stadium est la propriété d'un seul team. Vous voyez, j'ai deux sens. Et donc, dans ces deux cas, j'ai pas de problème, car c'est 1-1 et étoile-étoile. Dans ce cas-là, donc, c'est 1 étoile dans ce sens-là, et étoile, donc 1 dans ce sens-là. C'est vrai, oui ou non? Oui. Voilà, donc, je vais parler de quoi? Donc, de many to one et de one to many. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. C'est très bien. On va essayer de spécifier. Je demandais à faire les deux sens, raison. Allez, on doit spécifier les deux sens, oui. Nous devons spécifier les deux sens. C'est clair? Oui. Chaque sens a une sémantique. Chaque sens a une sémantique. Nous devons spécifier les deux sens. Donc, je vais juste vous envoyer. Monsieur? Oui. Elle ou avant tout, voilà. Pour le one-to-one, oui, est-ce Ibrahim. Qu'on va spécifier les choses? Les? Est-ce qu'on va spécifier... spécifier les choses avec le GPA. Oui, avec la bibliothèque GPA, oui, c'est ça. Non, avec la bibliothèque GPA. Avec le one-to-one, pour le one-to-one, est-ce qu'on va faire la stadium ou team, je pense. Est-ce qu'il y a une team, voilà, c'est ça. Entre stadium et team, oui, ça serait ici, one-to-one. Oui, bon, maintenant, est-ce qu'on va spécifier ça au niveau de... Au niveau de code. Au niveau de code. Voilà, au niveau de code. J'ai dit, donc, on va spécifier toutes les relations au niveau de code puisqu'on a opté pour cette stratégie code first. Donc, on va implémenter le tout en Java et par la suite, donc, l'ORM, donc, Hibernate. Donc, Spring, on n'a pas directement ajouté Hibernate, mais Hibernate il est utilisé derrière par Spring Boot, donc Spring Data, je m'excuse, par Spring Data. Si vous examinez donc l'output, vous allez trouver donc il est en train d'utiliser Hibernate ici. Voilà, donc il est en train d'utiliser Hibernate. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire les mappages, les transformations nécessaires pour donc créer les tables et les relations. C'est clair? Ok. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier aussi donc, que donc, la relation étoile-étoile, qu'est-ce qu'elle engendre, la relation étoile-étoile? Table association. C'est très collection. Bien. Elle engendre la création d'une table association. C'est exactement table association. Ça. On va l'appeler, par exemple, Team Competition. Team Competition. Team Competition. Donc, et qu'est-ce que je fais? Je dois migrer les deux clés primaire de deux tables, c'est vrai, oui ou non? Oui. Donc, pour former donc, une clé, donc la clé primaire, donc ID, la clé étrangère, donc ID Competition, Competition, et la deuxième clé, ça va être quoi? C'est ID Team. Et ce sont deux clés étrangères, et ça forme ensemble, je n'ai une clé primaire composite. Donc, ils forment ensemble une clé primaire composite, c'est clair? Oui. Est-ce que ça, c'est clair? Oui. On va essayer de spécifier tout ça, donc en Java. Juste, je vais vous envoyer donc, une petite image donc, pour, qui résume ce que je viens d'expliquer. Et puis, on va essayer de créer le code.
Voilà, c'est bon. Je vais vous envoyer donc une image permettant de résumer ce que je viens d'expliquer. Est-ce que vous avez reçu l'image? Oui, monsieur. Voilà, c'est très bien. Donc, permettons de résumer donc, ce que je viens d'expliquer. Et on va commencer la création, par exemple, de cette relation. Donc, one to many et many to one. Essayez de me suivre. Donc, pour cela, donc, on va aller au niveau de la classe play, par exemple. Donc, au niveau de la classe play. Donc, sur la relation entre play et team. Donc, allons à la classe play et on va essayer de spécifier les relations entre donc, play et team. C'est clair? On a dit, donc, un player, il peut jouer pour combien de teams? Une seule. Un seul team. Donc, pour cela, on va déclarer un attribut, donc, private, de quel type? Team. Donc, on va l'appeler, par exemple, his team. C'est clair? Est-ce c'est clair? Well. Au niveau de team, un team a combien de players? Il peut avoir plusieurs players. C'est très bien. Donc, il a quoi? Un ensemble de players. Comment on dit un ensemble? Comment on dit un ensemble? On peut dire collection. Collection, oui, mais précisément, donc un ensemble, c'est un set. Un set. Un set of quoi? Player. Car je ne dois pas accepter les répétitions, c'est vrai ou non? Oui. Voilà, donc ça va être un set of players. Collection, c'est la classe mère, donc c'est l'interface mère, donc de set ou de array list, ou de, etc. Donc tous héritent de cette interface, donc collection. Voilà, donc set, il suffit de faire alt enter pour importer java.util. Et ça, ça forme quoi? Donc players, donc players, l'ensemble de players de mon team. C'est clair? Est-ce c'est clair? Oui. Égal new. Et je peux prendre, par exemple, new has set. Car donc set, comme je l'ai dit, c'est une interface. Set, c'est une interface. Donc has set, pour dire donc... C'est sont la classe team, au niveau de la classe team, oui. Je suis au niveau de la classe team. Okay. Donc car on a dit, donc un team, il a combien de players? Plusieurs players. Un ensemble de players, sans répétition. Donc voilà, c'est un set of players. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Non. Oui, mais oui. Essayez de me suivre. Ça, qu'est-ce qu'on a spécifié? Le 1 ou l'étoile? L'étoile, c'est quoi l'étoile? C'est l'ensemble de players. Ou l'ensemble de players, c'est dans le team. Et le 1, c'est le team pour le player. Donc, le player peut jouer pour un seul team. Voilà, on a ajouté tout simplement les colonnes pour dire qu'un team a un ensemble de players sans répétition et un player, il a un seul team. C'est clair? Oui. Est-ce que c'est clair? Mais, donc, mais tout simplement, donc, cet attribut-là, est-ce que c'est un attribut ordinaire? Donc, est-ce que c'est un attribut comme, par exemple, le name ou la comme le position, ou etc.? Non. C'est un attribut qu'on l'a obtenu suite à une relation 1 étoile ou bien étoile 1. Étoile donc, au niveau de player, c'est many to 1. Donc, ça va être étoile many to 1. Monsieur Jérémy, dit at lob, monsieur, je suis en train de faire private byte. J'ai déjà expliqué ça lorsqu'on a parlé de photos. Donc, le photo, c'est quoi, photo? Photo, donc, c'est les photos, les vidéos, etc. Ce sont des objets de grande taille. Donc, les objets de grande taille, il y a les SGBD ont des types pour ces objets de grande taille. Par exemple, Oracle, il a un type blob pour stocker des photos ou bien des vidéos, etc. C'est une notation pour dire. Cet attribut-là, il est de grande taille. C'est clair? Oui. Oui. Derrière, il va le mapper, par exemple, sur Oracle en Bilob. Essaye de lire un peu sur Bilob et les dérivés. Il y a Bilob aussi, Lob, il y a plusieurs types Lob. Essaye de lire un peu sur ces types-là. C'est clair? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon pour many to one. Oui, pourquoi oui, on a oui, many to one. C'est étoile 1 de player vers team. C'est clair oui ou non? Oui, monsieur. C'est et du clair. Team vers player, c'est quoi du team vers player? One too many. One too many. C'est très bien. J'ai dit qu'il y a deux annotations. Donc, on va aller au niveau de team et on va ajouter quoi? Cet attribut-là aussi, ce n'est pas un attribut ordinaire. En fait, il a été donc, le résultat d'une relation many, one too many. One too many. Too many. Est-ce que vous y êtes?
Oui. Enter pour importer Java X. Donc Java X point persistent point one too many. Voilà. Donc est-ce que ces deux champs ou bien ces deux attributs sont liés ou bien ils sont indépendants? L'attribut players. Pour team, l'attribut player, oui, mapped by, oui, on va ajouter ça, c'est vrai. Donc, l'attribut player et l'attribut team, ce sont quoi? Ils sont liés, c'est vrai, oui ou non? Oui. Moi, on va lier ces deux, comme votre camarade vient de le dire, by, mapped by, c'est clair, oui ou non? Donc, one to many, ou bien les différentes annotations de relations ont des attributs. Donc, parmi ces attributs, il y a mapped by. Mapped by. Donc, cet attribut, en fait, est lié à quel attribut? Il est lié à l'attribut qu'on a ajouté au niveau de player, his team. Il suffit de le copier-coller pour ne pas se tromper dans le nom. Donc, voilà. Monsieur, mapped by. Monsieur, oui, fadl. Monsieur, le mapped by, معناها نجم نحطها يا بحظة الميني تو 1 وإلا بحظة ال 1 تو 2. مش مشكل. السونس معناها مش مشكل. C'est pas grave. Donc, هنا his team الأخرى player. معناها Si tu vas le faire donc dans l'autre sens, tu dois copier players. Tu dois copier players. C'est clair? Merci, monsieur. Mais, autre chose, s'il vous plaît. Donc, au niveau de player, vous vous rappelez, lorsque j'ai présenté donc, ce diagramme-là, j'ai dit, si je vais écrire en SQL, qu'est-ce que je dois faire au niveau de player? Je dois ajouter quoi? Une colonne team, et je dois dire que ce team-là est quoi? Pour le player team, c'est quoi? C'est une clé étrange. J'ai. C'est une clé étrangère, c'est vrai ou non? Comment on va dire clé étrangère au niveau donc de Java? C'est via la notation arobase join colon. Donc arobase join colon, et je peux nommer donc cette colonne là, donc au niveau de la base. Donc je peux nommer cette colonne au niveau de la base, et je peux par exemple l'appeler team ID. Est-ce que c'est clair? Voilà, c'est très bien. Donc, et comme ça, donc, his team devient quoi? Une clé étrangère qui référencie quoi? Donc, qui référencie donc team avec le mapped by qu'on a fait. C'est clair? Monsieur. Oui, Fab. Monsieur, many to one, mané mapped by, n'hattu a ken fi wahd. Wahd abarka, wahd abarka. Mais il suffit de dire que, monsieur, si je fais mapped by comme je l'ai fait, maintenant j'ai fait mapped by his team. Mapped by his team. Qu'est-ce que ça veut dire? Players est lié à l'attribut his team. C'est vrai ou non? Oui. Et puisque players est lié à l'attribut his team, est-ce que his team est déjà lié à players, oui ou non? Oui. Mané kona nejmou hattou ak z. Mais c'est, j'ai dit ça, donc votre camarade m'a posé la question et j'ai dit ça, donc vous pouvez faire l'inverse. C'est clair? Oui. Ben, donc, essayez de me suivre, s'il vous plaît. Donc, voilà, join colon. Par contre, join colon, je dois le mettre ici. Join colon, ça, c'est cette colonne. Donc, c'est une colonne, c'est une clé étrangère. C'est clair? Est-ce que ça, c'est clair, oui ou non? Oui. Ben, donc, essayez de me suivre, s'il vous plaît. J'ai player et team. Par exemple, supposons que je supprime un team d'une compétition. Par exemple, le Real donc participer dans une compétition, par exemple, telle, Coupe du Monde, maintenant, des clubs. Et donc, on a décidé donc, d'exclure donc, Real Madrid. Donc, est-ce que je dois garder les informations des players? Non. Comment on fait ça au niveau de la base de données? Comment on fait ça? Delete cascade. C'est très bien. On delete cascade, voilà, donc pour ouvrir, donc pour activer cette option-là. Donc, je peux faire quelque chose pareil ici. Donc, via donc, une option qui s'appelle. Hatta l'update, monsieur. Hatta l'update. Et kif, ça serait pareil, oui. Donc, عندي شنو, donc cascade, cette option, donc cascade, égale à quoi? Égal, et je vais ouvrir donc cette option, donc c'est une énumération, donc cascade type, il suffit de faire donc des contrôles, voilà, cascade type, contrôle espace, point, all,
C'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair pourquoi nous avons ajouté cette option-là? Oui, monsieur, c'est clair. C'est très bien. Voilà, donc, et comme ça, on a spécifié quoi? Donc, so one, too many, et many, to one. On va aller donc à donc, la relation one to one entre stadium et team. Entre stadium et team. Donc, pour cela, donc, on va aller au niveau de stadium. Et on va ajouter quoi? Puisque donc, chaque stadium est la propriété de combien de teams? Answer. Donc, private, team, stadium. Donc, je vais l'appeler, par exemple, stadium. Donc, team, et je vais l'appeler, par exemple, donc, team owner, par exemple. Team owner. Team. C'est le owner, donc, de... owner. Voilà, donc, c'est le owner de, donc, du stadium. C'est clair? C'est bon? Oui. Et au niveau de team, qu'est-ce qu'on va ajouter? Private, stadium. Et on va dire donc que ça, c'est it's stadium. Stadium, par exemple. Donc, c'est le stade de tel team. C'est clair? Est-ce que c'est bon? Oui. Et comme nous l'avons fait donc pour donc player et team, donc team owner a été donc ça introduit qui est le résultat de la relation donc one to one. Donc il suffit d'ajouter quoi? Donc aerobask one to one. Et de même pour l'attribut au niveau du team sur le résultat d'une relation donc one to one. One to one. Vous y êtes? Qu'est-ce qu'il nous manque? Mapped by. C'est très bien. Donc, mapped by. Voilà, donc je peux faire le mapped by comme on veut. Donc, maintenant, on va faire un stadium, maintenant. Au niveau du stadium, maintenant. Au niveau du stadium, ça serait quoi? Mapped by. Mapped by, c'est quoi? Stadium. Voilà, donc, mais c'est stadium. Le nom de la colonne. Donc, je l'ai appelé, je crois, it's stadium. Voilà. Voilà. De préférence, je la copie, Kouli. Khir. Donc, mapped by stadium. C'est clair? It's stadium. Est-ce que c'est bon? Oui. Oui, monsieur. C'est très bien. Et qu'est-ce qu'il me reste, kif-kif? Donc, au niveau, si on va programmer ça en SQL, qu'est-ce qu'on doit dire? Au niveau du team, par exemple. Chaque team, il a quoi? Son stadium. Donc, stadium, ça va être quoi? Clé étrangère. Clé étrangère. Puisque c'est clé étrangère, qu'est-ce que nous devons ajouter? Cascade. Rappelle cascade, ça, aerobask, join. Join column. Join column. Et de même, donc, je peux nommer donc, cette colonne-là. Donc, name égale. Name égale. Donc, et il suffit de préciser le nom de la colonne. Donc, qui va être quoi? C'est Stadium ID, par exemple. Stadium ID. C'est clair? Est-ce clair? Oui, monsieur. Et comme nous l'avons fait, donc, on va faire le delete en cascade. Donc ça va être cascade égale, control space. Donc voilà, cascade type point all. Monsieur, kif-kif, cascade, n'ajoute de tout à bouni ou à la rati. Le stadium. Delete cascade là où tu mets la clé étrangère. Qu'est-ce qu'on va se donner? On a un delete cascade. Fais le classe source ou la classe le fait la clé étrangère? La clé étrangère. Voilà, c'est exactement ça. Donc on t'amène donc à aerobask join column. Là, tu fais donc le on delete cascade. C'est clair? Monsieur, oui. Pourquoi vous avez choisi le stadium ID? Name égale. Ça va être le nom au niveau de la base. Donc, est-ce que vous avez choisi au hasard? Oui, stadium ID, ça va être le nom au niveau
de la base de données. Donc, vous pouvez le nommer, par exemple, ID, Stadium. Ça, c'est une chaîne de caractères. Donc, vous pouvez le choisir comme vous voulez. Mais de préférence, essayez de choisir ici donc, des noms significatifs. C'est clair? D'accord. Bien. Donc, il nous reste tout simplement donc, la relation donc, many to many. On va la laisser pour la prochaine fois. Mais tout simplement, donc, on va essayer de faire l'exécution pour voir qu'est-ce qu'on... voilà, juste, je vais laisser ça pour la prochaine fois. Donc, ça y est, le waqt oufa. Donc, j'ai une autre séance. Avec vous, la séance prochaine? Oui. Oui. Je vais reposer un peu. Donc, quelqu'un va faire un peu de la soirée pour donc, passer à l'autre matière. On va laisser donc, le reste pour la séance prochaine. Il nous reste tout simplement d'ajouter la relation donc, many to many. Et dans ce cas-là, donc, on va utiliser une annotation au lieu de join colon. Ça va être quoi? Join table. Vous voyez, donc ici, si j'ai créé quoi? Donc, une table association. Donc, cette table, elle est le résultat de quoi? De l'association. Donc, c'est join table au lieu de join colonne. Et on va spécifier que j'ai deux colonnes étrangères, deux clés étrangères, et ainsi de suite. On va le spécifier la prochaine fois. Voilà, vous voulez qu'on continue? On a deux séances. Hey, monsieur. Ben, hey. Okay. Okay. C'est pas grave. Donc, allons au niveau de quoi? Et team, c'est la relation entre competition et team. On va aller à team. Et qu'est-ce qu'on va ajouter? Puisque c'est étoile, donc un team, qu'est-ce qu'il peut participer dans plusieurs competition? Comment on va faire ça? C'est private? Oui. On a déjà fait des exemples, oui. Competition. Sept. C'est très bien. Set of competition, c'est exactement ça. Competition. Set of competition. Voilà, donc, et je vais l'appeler, par exemple, donc, team competition. Team competitions. Donc, égal à quoi? Égal new asset. Donc, et de même, au niveau de competition, qu'est-ce qu'on doit ajouter? L'ensemble du team qui participe au niveau de cette compétition. Donc, ça va être private. Set of teams. Donc, et ça va être quoi? Je vais l'appeler donc teams. Teams égale à quoi? Égale new facet. Est-ce que c'est clair? Vous y êtes? Oui, monsieur. Voilà, c'est très bien. Donc, il suffit de faire quoi? Donc, ces deux relations ont été, donc ces deux ateliers ont été le résultat de quel type de relation? Many to many. C'est très bien. Donc, many to many. Donc, il suffit de faire quoi? Aerobask. Many to many. Many to many. C'est clair? Vous y êtes? Oui, ça serait pareil au niveau du team. Au niveau du team, donc cette colonne-là, c'est le résultat d'une relation many to many. Many to many. Voilà, donc ça pour team, donc competition, etc. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben, il faut mettre en tête qu'au niveau de many to many, il n'y a pas de map de by. Il n'y a pas de map de by. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Il n'y a pas de map de by. Donc, au niveau de competition, qu'est-ce qu'on va faire? Join table. Voilà, c'est très bien. On va créer la table. Je peux la créer ici comme je peux la créer au niveau du team. Hein. C'est pareil. Hein. C'est pareil. Il n'y a aucune différence. Mais on doit faire les choses. C'est une seule table. Mais deux tables. C'est une seule table. Donc, je dois la spécifier une seule fois. Mais je peux le faire au niveau de competition ou bien au niveau du team. C'est clair? Oui, monsieur. Voilà, donc on a dit, donc pour créer cette table, ça va être avec join table. Donc cette table-là, donc je l'ai appelée team competition, voilà. Donc c'est team competition. Competition. Ça, c'est son nom.
Monsieur, on ne vous entend pas. Oui, c'est pas super. Monsieur, fait un problème de connexion. Allô? Laisse-moi figure. قاعدين تسمعوا ليلي فيرمي الميكرو اسكو فوزيت اون تران دو مونتوندر تاو بكري يقص به اسكو فوي لو بارتاج وي 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 اون فا ايسي دو تيرميني سيت بارتي لا تري فيت دونك اسكو فوز افي اونتوندي دونك لورسكو جي بارلي دو جوين تيبل اي دو سون نو وي مسيو Cette table, qu'est-ce qu'elle a donc cette table? Qu'est-ce qu'elle a comme colonne? Elle a deux colonnes. Mm-hmm. Vous voyez les choses ou non? Ces deux colonnes sont selon moi deux clés étrangères. C'est la migration de deux clés. C'est clair? Mm-hmm. Ben. Oui. Imaginez la chose suivante. Donc, que Team, par exemple, elle a une clé composite. Par exemple, je vais dire ID et date, maintenant. ID et date. Ça va être une clé composite. Mais vous connaissez ce que ça veut dire clé primaire composite. Oui, monsieur. Donc, au niveau de donc, team competition, je vais avoir quoi? Une clé étrangère composite. Vous voyez les choses ou non? Oui. Donc, cette clé étrangère, elle peut être composite. C'est pour cela. Donc, au niveau de la spécification de join table, il me donne quoi? Une propriété qui s'appelle join columns. Join columns. C'est clair? Pourquoi c'est columns? Car donc, je peux donc, me trouver dans le cas où la clé primaire est composite. Donc, il suffit de faire quoi si la clé primaire est composite? J'ouvre égal et j'ouvre une accolade. Et je mets quoi? Les différentes spécifications des clés étrangères. Donc, je répète aerobasque join column plusieurs fois, autant que j'ai des attributs dans ma clé primaire composite. C'est clair? Oui. C'est très bien. Donc, dans notre cas, donc, on a une seule clé, donc... si vous voulez, donc notre clé primaire n'est pas composite, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va citer une seule colonne, donc join, donc une seule colonne donc, qui forme la clé étrangère. Et on a vu donc pour une clé étrangère, on utilise quoi? La notation join column. Join column, et il suffit de spécifier comme on l'a fait donc, il y a un instant. Donc name égale à quoi? Le nom de la colonne, donc égale par exemple team ID. Et ce team ID, il référencie quelle colonne? C'est une référence vers quelle colonne? ID. C'est très bien. Donc, ça va être donc, referenced column name. Voilà. Donc, referenced column name égale. Et je donne le nom de la colonne qui est quoi? ID. Est-ce que c'est clair? Comme si j'ai écrit en SQL quoi ça? Constraint, join column, constraint foreign key, ça c'est join column. Après, c'est team ID, c'est le nom de la colonne, et par la suite, referenced tel donc table et non, entre parenthèses, on met quoi? ID. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Et dans l'autre sens, donc, dans l'autre sens, qu'est-ce que j'ai? L'autre sens, c'est mentionné avec chinois. Inverse join columns. Donc l'autre sens, c'est inverse join columns. Qu'est-ce que j'ai? L'autre table. Donc ça va être quoi? Donc de même, c'est avec join column.
name égale, et je spécifie donc le nom de la colonne, ça va être, donc par exemple, competition, parce que j'ai mis la première, donc team, competition, ID, competition ID, et ça va être referenced de même, referenced, column name égale, je crois que j'ai nommé les deux ID. Donc voilà. Est-ce que vous voyez les choses ou non? Est-ce que vous voyez les choses? Est-ce clair? Monsieur Bélé, il y a un peu de code. Voilà, mais. Voilà, ça, c'est la spécification de la table. Voilà, c'est la spécification de la table, donc association. Team competition. C'est clair? Est-ce monsieur? Clair? Oui. Bon, en fait, je n'ai pas compris pour le référencier de colonne de name. Si on écrit en SQL, en SQL, qu'est-ce qu'on va écrire? Bon, donc, on va écrire constraint. On va écrire Frankie. Et nom de la clé primaire, c'est team ID. C'est vrai ou non? Ouais. Référence de quoi? Nom de la table, donc il va être quoi? Par exemple ici, sur la table, team. Et entre parenthèses, qu'est-ce qu'on fait? ID. C'est vrai ou non? Ouais. C'est exactement ça. Donc, join column. Et qu'est-ce que j'ai spécifié? Nom de la colonne. Comment je vais la nommer au niveau de la table? Team competition qui va être générée. Et elle va référencier quoi? Elle va référencier donc la valeur de ID. ID, ça. Donc, la valeur de ID au niveau de la table team. C'est bon? Ok, c'est bon. Et ça serait pareil pour la deuxième. Mais vous voyez, j'ai deux sens. Donc, on a dit donc la relation, on le lit dans deux sens. Un sens et le sens inverse. C'est clair? Est-ce que vous y êtes? Monsieur, là, une façon de généralement m'attacher une part pour mettre à join column ou l'autre inverse join column. C'est le bas, mademoiselle. Et tu vas prendre ici au niveau d'une relation, n'importe quelle relation de ces relations-là. J'ai quoi? Deux sens. Donc, ce sens apparaît tout simplement win. Au niveau de la relation, donc one to many, et many to one, car donc c'est un étoile et étoile un. Mais dans les autres, il y a quoi? Étoile, étoile dans ce sens-là et étoile, étoile dans ce sens-là. C'est pour cela que j'ai tout simplement many to many. Mais en réalité, j'ai deux sens. En principe, ici, donc competition. Je vais dire le sens-là, ce sens-là, c'est quoi? Donc, ce sont les teams qui participent au niveau de telle compétition. C'est vrai ou non? Oui. Le deuxième sens, ce sont quoi? Les competitions. Les compétitions à laquelle... C'est très bien. À laquelle un team donc, est en train de participer. C'est clair oui ou non? Pour spécifier le premier sens, c'est tout simplement donc, avec join columns. Et le sens inverse, c'est inverse join columns. C'est clair? Monsieur? Oui. Monsieur, quand nous avons fait join columns, on fait un zouz... Oui. كيف؟ صحيح. كيف؟ نجم وي. نجم زاد كيف. خلو لكولاد ونحطهم الزوز. لحظة برك. معناها هكا تقول لي معناها هكا مثل join columns. يجوفر لكولاد وجمي join column. أي. En réalité, ça, c'est pas fait pour ce cas-là. Donc, join columns, c'est fait en cas où, معناها جوفر هكا إنك كولاد. وجمي plusieurs colonnes séparées par virgule. Plusieurs spécifications séparées par virgule. Ça, c'est pour le cas où la clé primaire est composite. Je m'en ai. J'ai une clé primaire qui est formée par plusieurs colonnes. Et au niveau de competition, j'ai une clé primaire formée par plusieurs colonnes. Peut-être, du point de vue résultat, tu vas obtenir le même résultat à la fin. Dans ce cas particulier, tu vas obtenir une table ayant deux colonnes. Mais sémantiquement, c'est erroné. Car tu as considéré que, par exemple, ces deux colonnes proviennent de quoi? De competition. Je ne sais pas, est-ce qu'il va accepter ça dans ce cas particulier, donc, fait l'exécution, oui ou non? Voilà, ça va être une erreur sémantique. C'est clair?
Mais les accolades oui. et معناها séparation par virgule est faite pour le cas où donc on va dire une colonne source ou une colonne une table source et une table destination. Par exemple, on va dire que team c'est source ou le competition c'est destination. Si source ou bien competition a plusieurs colonnes, a une clé primaire composite, معناها formée par plusieurs colonnes. C'est clair? Oui, merci. Voilà. Donc, on va essayer de faire l'exécution. On va attendre à la roue. Voilà, vous pouvez faire l'exécution. Donc, tu as un barche à la base de la partie. Belay, au niveau du sujet des exposés, est-ce que j'ai mis donc un sujet Kubernetes et Kawahda? Je n'ai pas, monsieur. Est-ce que j'ai déjà mis un sujet Kubernetes? Je ne sais pas, donc je vais vérifier. Sinon, je vais l'ajouter. Je ne sais pas, est-ce que je l'ai mis? Je vais mettre sur le papier Kubernetes ou sur le... Je ne sais pas, est-ce que j'ai placé ce sujet? Sinon, je vais ajouter ce sujet Kubernetes pour ceux qui veulent travailler sur Kubernetes. Hein. C'est bon, voilà, vous voyez, donc il a terminé donc l'exécution de mon application. Il suffit de copier-coller de même donc l'adresse de l'URL donc de la base de données et d'aller au niveau de mon navigateur. Donc CTRL-V et de tester la connexion. Non. C'est bon, donc vous voyez qu'il m'a créé quoi? Il m'a créé la table Team Competition. Est-ce que vous voyez les choses ou non? Oui. Avec Chinois, les colonnes Team ID et Competition ID que j'ai déjà spécifiées. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. C'est très bien. Donc, voilà, on va voir la prochaine fois. Et les autres, Team, par exemple, on a ajouté quoi au niveau de Team? Stadium ID. Vous voyez les choses ou non? Au niveau de Play, on a ajouté donc Team, oui. Team ID. Vous voyez les choses ou non? Au niveau de Competition, on a ajouté quoi? Au niveau de competition, donc, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? J'ai un ensemble de cadets. Donc, il m'a créé quoi? Team competition. Vous voyez les choses ou non? C'est clair? Oui. Voilà. C'est bon, donc, vous voyez, donc, il m'a créé la table et ainsi les relations entre ces tables-là. On se voit la prochaine fois pour ce module-là. Donc, on se voit tout à l'heure donc, dans la base de données repartie. Je me repose donc 5-6 minutes et je reviens. D'accord, monsieur. Merci. D'accord, monsieur. Monsieur, est-ce qu'on va utiliser le même lien? Comment? Est-ce qu'on va utiliser le même lien? Non, c'est un autre lien. Je vais actualiser le lien et je vais vous l'envoyer. Oui, il y a l'enregistrement. De la science, il est là. Je vais vous le mettre donc d'ici demain maximum sur le drive. Merci, monsieur. Merci. Allez, bonne journée. Oui, bonne journée.